Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc l'essai d'une DS4 de 2023 avec le moteur 1 litre de PureTech 130, la boîte EAT8. Elle est en finition esprit de voyage et elle a 2800 km. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager et à donner votre avis en commentaire. C'est hyper important pour moi d'avoir le retour des gens qui regardent pour savoir un peu ce qui plaît plus et ce qui plaît le moins. Donc voilà. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur Instagram, @glsdrive. Vous serez un peu tenu au courant en avance des prochaines vidéos, des prochains essais. Donc voilà, sur Instagram, @glsdrive. Si jamais vous cherchez un vidéaste pour réaliser des publicités digitales, des vidéos promotionnelles ou des interviews, des reportages pour votre entreprise dans n'importe quel domaine, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse professionnelle qui se trouve dans la description. Comme d'habitude, on va d'abord parler un peu de l'aspect extérieur de la voiture, des spécificités. Ensuite, on passera à l'intérieur, puis l'essai routier et enfin la conclusion. Alors donc la voiture du jour, DS4, équipée d'un 1 litre de PureTech 130, d'une boîte EAT8. C'est un modèle 2023 avec 2800 km en finition esprit de voyage. Côté moteur, on retrouve le 3 cylindres essence d'1 litre 2 pour 130 chevaux et 230 Nm de chez PSA. La boîte EAT8, donc à 8 rapports, à convertisseur, me semble-t-il. C'est évidemment une traction qui pèse 1350 kg à vide, qui dispose d'un réservoir de 52 litres et de 430 litres de coffre. La DS4, elle existe aussi en modèle hybride rechargeable, avec des motorisations qui font entre 180 et 225 chevaux. Cette auto, donc en finition esprit de voyage, elle est équipée d'une sellerie cuir blanc un peu crème, de sièges chauffants, massants, ventilés, électriques à mémoire. La voiture dispose également d'un haillon électrique, donc le coffre qui s'ouvre tout seul. Les matériaux à l'intérieur sont plutôt haut de gamme, même les plastiques, on sent qu'ils sont vraiment de bonne facture. Il y a des badges esprit de voyage sur les pas des portes. La voiture, elle est aussi équipée d'un HUD, donc à vision tête haute, ce qui permet d'afficher la vitesse à travers le pare-brise. Et tous les équipements d'une voiture moderne haut de gamme, un grand écran tactile, le CarPlay, le régulateur adaptatif, une clé sans contact, des prises USB-C, etc. DS, maintenant, ça veut vraiment se séparer de Peugeot et Citroën en proposant des produits vraiment plus haut de gamme sur les mêmes plateformes. Ils soignent vraiment le design, les équipements pour essayer, je dis pas qu'ils y arrivent, mais essayer de concurrencer des constructeurs allemands, en tout cas en termes de gamme, certainement pas de moteur. A l'origine, DS, c'est un blason que Citroën a ressorti en 2010 avec la DS3. A l'époque, c'était vraiment un modèle DS au sein de la gamme Citroën. Mais le blason, il date d'ailleurs de la mythique Citroën DS des années 50. En 2014, donc DS se sépare de Citroën et devient une marque à part entière avec la sortie de la DS5, donc qui était plus grosse que la DS3. Et depuis, ils continuent de monter en gamme en proposant des véhicules, donc comme j'ai dit, sur les mêmes plateformes, avec les mêmes blocs que les Peugeot et Citroën, mais avec des équipements et des niveaux de présentation qui sont beaucoup plus soignés, beaucoup plus élevés. Esthétiquement, la DS4, elle est un peu étrange. L'avant est très beau, il est un peu agressif, mais très élégant avec le long capot et la grosse calandre. L'arrière, lui, il fait un petit peu coupé, il retombe un peu de façon tendue autour de la petite lunette arrière. Mais c'est surtout au niveau du côté que la voiture, elle est un petit peu biscornue. On a du mal à savoir si c'est vraiment beau, mais en tout cas, c'est bien exécuté. Les jantes, les panneaux de porte, de carrosserie, les logos, les poignées. On nous rappelle systématiquement que c'est une DS et que c'est vraiment haut de gamme, presque luxueux. À l'intérieur, il y a beaucoup à dire. Les sièges, donc, ils sont en cuir blanc. Comme je l'ai dit, massant, ventilé, chauffant, électrique, avec deux position de mémoire. Les sièges, ils sont très beaux et ils sont quand même très confortables aussi, même après 800 km dedans. Le volant en cuir, il est un petit peu plus grand que le petit volant de chez Peugeot. Il est aussi très beau et de très bonne facture. Le grand écran, il est super lisible. On règle quasiment tout depuis cet écran. Et des boutons uniquement pour la clim. L'espace à l'intérieur, il est assez confiné. On n'a pas énormément de volume, mais c'est pas dérangeant.
et on est aussi tout à fait bien installé à l'arrière. Alors voilà, on se retrouve maintenant au poste de commande de cette DS-DS4 et donc on retrouve au centre, donc juste ici, le bouton pour mettre le contact, démarrer la voiture, à gauche le frein de parking électrique, à droite les warnings, juste ici, et à côté du bouton des warnings, un bouton qui permet de gérer la fonction de conduite de maintien dans la voie. Ensuite, juste ici, on a un gros vide-poche avec les USB-C, un petit écran central, la boîte de vitesse, de quoi gérer le volume et allumer et éteindre la musique. Ici, le bouton de sélection du mode de conduite. Donc, il y a trois modes, sport, normal et éco. Et encore ici, un gros vide-poche. Juste au-dessus, donc, on retrouve des boutons qui permettent de gérer la climatisation et le désembuage des vitres. Encore au-dessus, on a le grand écran donc, qui est tactile, avec ici la fonction de menu principal qui est personnalisable. Quand on fait glisser, on a la carte. Ensuite, on a la gestion de tout ce qui est la climatisation et les sièges. Donc ventilation, chauffage, massage, etc. Donc ici, on a la gestion de la musique et du téléphone. Et quand on appuie sur le bouton Home, juste ici, ça nous fait revenir à la page principale. Le téléphone se connecte directement en CarPlay. On y accède ici. Et puis voilà. On retrouve aussi également en haut la gestion de quelques fonctions comme le HUD qui se situera juste là-bas. Voilà, je ne sais pas si on va arriver à le voir, mais il est là-bas dans le pare-brise. Et puis d'autres fonctions de gestion de l'écran, de la luminosité, etc. On retrouve ici donc le compteur avec les kilomètres de la voiture. En bas à gauche, la jauge à essence à droite avec l'autonomie restante, en bas à droite, un gros contour complètement digital, la vitesse et la position de la boîte. Donc ce compteur, il est personnalisable, on peut aussi personnaliser avec les fonctions de navigation et de la musique. Sur le volant, on retrouve à gauche tout ce qui est les commandes du régulateur limiteur de vitesse, avec la fonction de conduite semi-autonome qui maintient dans la voie, et à droite tout ce qui est la gestion de la musique, du téléphone, le volume, etc. Juste ici, on a le bouton qui permet de gérer les réglages des rétroviseurs, et ici les commandes des 4 vitres électriques et du verrouillage de la voiture. À gauche du siège, on a la commande de mémoire du siège. Comme ils sont réglables électriquement et qu'il y a plusieurs positions de mémoire, la commande se situe sur le siège à gauche. Et puis voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour l'intérieur. On va maintenant passer à l'essai routier afin que je puisse vous donner mon avis sur la conduite de cette DS4 de 2023. On se retrouve donc maintenant au volant de cette DS4 et je vais vous donner donc mon ressenti de conduite sur cette voiture. Donc pour rappel, le moteur 1 litre de PureTech, 3 cylindres d'1,2 litre de cylindrée, 130 chevaux à 5500 tours et 230 Nm à 1750 tours. Le moteur il marche correctement grâce à la boîte qui gère vachement bien et au poids contenu de la voiture et aussi grâce à son aérodynamisme. La voiture, c'est sûr qu'elle est un peu plus aérodynamique qu'un 3 ou qu'un 5008 qui sont un peu plus hauts et qui ont donc un peu plus de prise au vent. Donc voilà, le moteur il marche correctement, c'est pas un moteur sportif, ça donne pas des performances incroyables à la voiture, mais il marche correctement. Après, c'est sûr que quand on est plusieurs dedans et qu'on est chargé, par exemple sur l'autoroute, c'est vrai que dès qu'il y aura une côte, on va sentir que le moteur a un peu de mal, qu'il mouline un peu beaucoup pour gravir la côte. Mais je dirais pas que ça marche pas, je dirais juste que voilà, ça marche correctement sans plus. Maintenant, c'est un peu dommage d'avoir ce sentiment-là dans une voiture à près de 45 000 euros, c'est évident. Un des défauts de ce moteur, en plus d'être complètement downsizé et d'avoir un peu de quelques soucis de fiabilité, c'est qu'il est vraiment très peu souple. On sent parfois des à-coups à la remise des gaz, ce genre de choses, et c'est un peu dommage. C'est principalement dû au fait que c'est un 3 cylindres, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à ce moteur-là. Au niveau de la fiabilité, je parlais des petits problèmes, c'est vrai que c'est assez connu que les 1 litre de PureTech chez PSA ont quelques problèmes au niveau par exemple des courroies de distribution. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'un moteur aussi petit qui sort entre guillemets autant de chevaux, on est obligé d'augmenter son rendement. Voilà, à l'époque on sortait parfois 90 chevaux d'un moteur 1 litre 4 comme sur les TU, et là on en sort 130 d'un moteur 1 litre 2. Donc il y a de l'injection directe, il y a des turbos, c'est des choses qui viennent nuire à la fiabilité. Donc on peut supposer que voilà, c'est des moteurs qui ne pourront pas faire 4 ou 500 000 km comme je prends l'exemple des TU à l'époque. En revanche, à l'usage, pour une voiture qui a 2800 km, ça reste agréable. Ça ne donne pas des performances, comme je l'ai dit, sportives, mais c'est agréable à utiliser. Le couple arrive très tôt. La boîte gère vachement bien. Et comme il y a beaucoup de rapports, on peut vraiment être toujours, justement comme je l'ai dit, sur le bon rapport et donc exploiter le couple et la puissance du moteur. Alors je vais me mettre en mode sport et je vais essayer de faire une petite accélération.
Côté conso, celle-ci a 2800 km et depuis le début, elle a consommé principalement 7,4 litres. Après, sur les 2800, il y en a bien plus des trois quarts qui ont été faits sur autoroute, ce qui aide forcément à ne pas consommer énormément. Mais voilà, sur autoroute, il faut compter entre 7 litres et 7,5 litres selon le rythme. En ville, ça sera plutôt 8 ou 9 litres. Donc c'est une conso qui reste raisonnable sans pour autant être incroyablement réduite. J'ai parlé du moteur et de ses qualités, ses défauts. Je vais parler maintenant d'une grande qualité de cette voiture. C'est, sur les motos, on appelle ça la partie cycle. Je ne sais pas comment appeler ça sur une voiture, mais c'est le combo châssis-suspension. Je trouve que le châssis de cette voiture est vraiment incroyable. Les sensations de conduite sont vraiment... on prend beaucoup de plaisir à son volant et on sent que c'est une voiture qui a un côté GT. En fait, à emmener sportivement, on arrive très vite dans les retranchements de la voiture et c'est assez peu agréable. Quand on enchaîne accélération, freinage, etc., on sent qu'on met vite la voiture en défaut. Par contre, à emmener dans un rythme GT, ça veut dire avec du rythme soutenu, mais sans forcément aller taper dedans comme un ahuri, et ben c'est vraiment super agréable à emmener et on sent que c'est là que la voiture est à l'aise, on sent qu'elle a été conçue pour ça. Le châssis évidemment tient la route de façon extrêmement agréable, j'ai envie de dire. On sent que la voiture est saine. En 2023, il y a très peu de voitures qui sortent avec des châssis où on a l'impression qu'on va mourir au volant. Mais voilà, le châssis est sain. Le compromis qu'offrent les suspensions entre la fermeté pour la tenue de route et le confort est vraiment excellent selon moi. C'est ferme, ça tient la route, mais en même temps, ça reste confortable. On sent que c'est le haut de gamme français et qu'on sent que c'est taffé, que c'est vraiment abouti et c'est très 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 agréable à conduire. La direction est précise, j'adore le volant. Je trouve que la dimension est parfaite, la prise en main est bonne. Il est en plus de ça magnifique, mais ça c'est un peu subjectif. Mais voilà, je trouve que le feeling de conduite de la voiture est vraiment 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 excellent. Et voilà quoi, c'est un super bon point. Après voilà, ça marche pas non plus une tonne, mais ça accélère, on va dire dignement. Mais si le moteur est un peu en retrait, le châssis lui ne l'est pas du tout. C'est vraiment un bonheur à conduire, surtout sur des routes qui tournent un peu comme ça, et à emmener avec un peu de rythme, sans adopter une conduite sportive. On va pas forcément accélérer comme un bourrin jusqu'au prochain virage, parce que là, la voiture, elle va pas vraiment apprécier. Mais par contre, à emmener avec du rythme, c'est franchement très très agréable. Le confort, alors j'ai fait près de 800 km d'une seule traite dans cette voiture, donc je peux parler du confort. Les sièges ainsi que les suspensions sont très confortables, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le cuir est d'ailleurs de très bonne qualité, enfin bref, c'est une très bonne routière, à ce niveau-là il n'y a aucun souci. Les places arrière sont d'ailleurs tout à fait utilisables, on est plutôt bien installé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Côté freinage, le mordant est présent, mais la puissance un peu moins. Évidemment, ça freine très bien, il n'y a pas de souci. Mais on aurait pu s'attendre à mieux pour une voiture de cette catégorie-là. J'avais pas forcément cette impression-là sur d'autres voitures de chez PSA. Et là, ça me le fait. J'ai pas l'impression que la puissance de freinage soit extraordinaire. Voilà. Il y a une chose dont j'ai pas parlé. Voilà, ça se veut être le haut de gamme français. Un peu luxe. Et donc il y a des modes de conduite. Alors il y a, là on est en mode normal, il y a le mode sport, donc le bouton s'active à côté de la boîte de vitesse. Le mode sport, voilà, ça change pas fondamentalement la voiture. J'ai l'impression que la direction est un petit peu plus dure, que l'accélérateur et le frein ont une réponse, je dis bien une réponse, qui est un petit peu plus sèche. Ça augmente pas les performances du freinage ni de l'accélération, mais la réponse à l'accélérateur est un peu plus franche. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de bruit, ça m'étonnerait pas que ce soit dans les haut-parleurs. Donc ça c'est pour le mode sport. Après, concernant le mode éco, donc on appuie sur le commodo, on peut passer en mode éco. Je sais pas fondamentalement ce que ça change. Je suppose que c'est une cartographie de boîte qui viendrait passer un rapport de plus qu'en mode normal pour moins consommer, avoir une conduite plus économique. Mais j'en ai pas la certitude. Voilà. Tous les équipements, tous les gadgets, voilà tout ce qui se trouve au niveau de l'écran, c'est très agréable à utiliser, c'est très agréable à l'usage. La clim, le régulateur adaptatif, tout ça, c'est parfait à utiliser. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu gadgets, comme les sièges massants. Voilà, ça relève un petit peu du
du gadget, mais c'est peut-être vers ça que tend l'automobile dans le futur. Et c'est ce dont je vous parlerai dans la conclusion. Un autre petit défaut que j'ai relevé aussi, c'est l'emplacement des palettes. Quand on tient le volant comme cela, en fait, les palettes sont trop loin pour être manipulées correctement. Elles sont trop vers l'intérieur du volant. On est obligé d'appuyer un peu sur le bout de la palette, mais pas sur le creux des doigts qui a été prévu à cet effet. Et voilà, ça montre que c'est un peu, encore une fois, une voiture qui a été pensée avec des gadgets plutôt qu'avec des palettes vraiment fonctionnelles. Après, c'est sûr que ces palettes sont quand même bien pratiques. Ça permet de tomber un rapport et de mettre pied dedans. Et voilà, c'est pas... Le moteur, comme je l'ai dit, il n'est pas transcendant. Un autre défaut que j'ai remarqué, en roulant au coucher du soleil avec le soleil dans le dos, le petit insert en aluminium qui se trouve sur la portière côté conducteur, en fait, il fait un sale reflet dans le rétro. C'est vraiment insupportable parce qu'il y a, une grosse trace blanche dans le rétroviseur extérieur à côté conducteur et on voit plus rien dedans. Donc ça a été pensé un peu, c'est un peu couillon d'avoir mis de l'aluminium à cet endroit-là. Voilà, c'est des petits défauts de cette voiture. Au niveau de l'écran, parfois, il y a des choses qui sont un peu chelou. Il se met un peu à bugger, à freeze, à tourner en rond, on ne comprend pas trop pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage dans une voiture à ce prix-là, toute neuve, que l'écran connaisse déjà des bugs. C'est aussi quelque chose que je trouve dommage. Après, sinon, au niveau de l'infotainment, c'est vachement bien. Le CarPlay donc, se connecte en Bluetooth et il marche plutôt bien. Ça, c'est super agréable. Mais voilà, dans une voiture de 2023, le CarPlay, on ne présente plus. Autre chose que je trouve dommage, c'est l'absence de température moteur sur tous les modes de compteur. Voilà, là, j'ai choisi un mode basique et j'ai pas de température moteur. Alors peut-être qu'on peut l'afficher, je ne sais pas comment. Il faudra trifouiller dans les menus. Mais voilà, je trouve ça un peu étrange qu'on n'ait pas accès facilement à la température du moteur. Pour conclure, évidemment, je dirais que c'est bien sûr une excellente voiture. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la présentation, donc la qualité des matériaux, la qualité d'exécution de la finition, le châssis, les suspensions. Ça, c'est pour moi, ça m'a vraiment beaucoup plu à la conduite, le feeling de la voiture. Et le point négatif que je retiens, moi, c'est le moteur qui est un peu en retrait. Sur une voiture à 45 000 euros, personnellement, ça me fait un peu chier d'avoir un moteur comme ça, aussi peu expressif, j'ai envie de dire. Mais voilà, est-ce que c'est pas le futur de l'automobile, avoir des voitures avec des châssis super affûtés, avec beaucoup de gadgets, des sièges massants, un grand écran et tout, et en fin de compte, plus de moteur? Je sais pas, pour moi, le cœur d'une voiture, c'est son moteur. C'est presque le critère numéro un. Mais avec toutes les restrictions au niveau de la vitesse et de l'écologie, j'énonce un fait, prends pas parti. Mais voilà, après, avec toutes les nouvelles lois qui passent à ce niveau-là, peut-être que c'est vers ça que va l'automobile, des voitures, comme je l'ai dit, avec des super châssis, avec beaucoup de gadgets, beaucoup d'équipements, mais avec des moteurs qui sortent peu de chevaux pour répondre toujours à des normes plus strictes. Mais voilà, en tout cas, cette DS DS4 de 2023, c'est une excellente voiture. Ça serait clairement pas mon choix pour 45 000 euros, mais ça reste un excellent produit avec une qualité d'exécution qui est vraiment au top, avec un châssis qui est vraiment au top, avec un moteur qui est voilà, un petit peu en retrait, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo. Mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire sur le format. C'est hyper important, ça me permet d'adapter en fait et de créer du contenu qui plaît aux personnes qui regardent, tout simplement. Et puis voilà, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, @glsdrive. Et puis, si vous avez besoin de production audiovisuelle pour votre entreprise, mon adresse professionnelle se trouve dans les descriptions. Si vous avez besoin de trouver une voiture, n'hésitez pas à contacter Adecoto sur Instagram. Il se chargera de vous trouver la pépite. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.